Orange Camp. Ce sont des hommes et des femmes qui sont venus volontairement débattre avec nous sur la vie numérique. Qu'est-ce que cela change, en particulier dans la vie des femmes ? Le premier petit déjeuner a eu lieu à Paris avec Delphine Ernotte, des journalistes, des jeunes femmes de la génération Y, elles se définissent comme telles, qui sont nées avec le web, des entrepreneuses, des auto-entrepreneuses, des blogueuses, des journalistes, des cadres dirigeantes. Cette année, nous avons souhaité apporter aussi un peu de matière, voilà, de matière intellectuelle pour le prochain Women's Forum. Comment ce monde-là, numérique, il agit sur les femmes, comment les femmes agissent sur ce monde-là. C'est un atelier très ouvert, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez proposer des thématiques. Digital, communauté, intégration, e-marketing, développement des talents, communication, culture, innovation, mobilité, partage et réseau. Et poésie. Ça tourne beaucoup autour du recrutement, de l'accès aux technologies, de l'éducation, de l'entrepreneuriat. On est arrivé sur des sujets qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait imaginés au démarrage. Voilà, on est sorti de nos thèmes et c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que par exemple vous voyez une différence entre les hommes et les femmes par rapport à la... Enfin, je pense que quand même il y en a une par rapport à la parentalité, et est-ce que le numérique peut permettre d'équilibrer les choses? On a creusé des sujets notamment sur des notions de parité, sur des notions d'égalité hommes-femmes dans le travail et dans le numérique. Les femmes ont de l'avance sur le numérique et je crois que c'est à nous les hommes cette fois-ci de nous placer derrière et de suivre un projet avec les femmes. La femme derrière le numérique, elle est anonyme, hein. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc peut-être que c'est un bon facteur d'aide pour que la femme prenne sa place dans la société. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'âge, hein. Ni de genre d'ailleurs. Oui. On a un point de vue dernière génération, en fait, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'on a apporté un contenu différent de ce qu'il y avait ce soir. Et donc les débats, ils étaient un peu conflictuels, en quelque sorte, parce que on n'avait pas forcément la même vision du numérique et de son utilisation. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de convictions très très profondes des unes et des autres. Et du coup, un besoin finalement de bien s'écouter pour avancer. En fait, ça nous aère, ça nous donne un peu d'oxygène, ça nous fait du bien de nous poser et puis de réfléchir. Tout simplement avec des gens d'origine très différente. Le débat a été très riche et ce qui est ressorti, c'est que le pouvoir n'est pas à l'outil, le pouvoir est à la réflexion, le pouvoir est à la stratégie et c'est bien là l'essentiel. On apprend à écrire, ça se développe, on apprend à observer, ça se développe. Alors je me dis peut-être qu'il y aura une ère du numérique. Voilà. Rendez-vous à Deauville où la force de proposition des Orange Camp sera restituée en plénière et après, derrière, ça veut dire des bourses et des projets qui iront plus loin que cette première force de proposition.